Alors, le Festival Disorder, c'est une vieille idée qu'on a dans l'assaut. Bon, nous, on a, dans l'assaut, on a déjà un festival hein, qui s'appelle Puzzle, qui a une programmation relativement hétéroclite. Et on voulait proposer un festival plus typé, avec une programmation autour du post-punk. Bon, c'est vrai que dans la programmation d'Abon, il y a déjà pas mal de post-punk de proposer. Mais on s'est dit, il y a, à mon avis, une place pour un festival de ce type-là à Lille. Il n'y en avait pas. Il y en a un peu en Belgique, il y en a en Allemagne, il n'y en a pas dans le coin. Et on s'est dit, on va essayer de proposer ce festival. On a profité de la naissance du Black Lab, donc de ce nouveau lieu, pour le proposer à l'équipe. Et ils nous ont gentiment accueillis pour la première. Et du coup, on a fait d'une pierre deux coups, on a proposé ce premier festival dans un lieu nouveau. Bah parce que je trouve que c'est excitant de programmer des festivals. C'est une autre façon de programmer. C'est plus long, c'est plus accidenté, c'est plus difficile. Mais je trouve que je trouve ça chouette de réunir des gens sur un espace-temps plus long. Et puis on peut faire plus de groupes. C'est complémentaire. Et puis c'est Puzzle. Il y a des groupes de post-punk Puzzle, mais c'est quand même beaucoup plus large, quoi. Et là, on va faire des Pour le prochain, il y a par exemple les filles de Ilagadad, donc on est vraiment sur complètement autre chose, c'est de la musique africaine. C'est vraiment beaucoup plus large. Il y aura des groupes, il y aura probablement un groupe qui s'appelle Moscovitz Dance Band. Donc, on est vraiment sur des choses très variées. Après, il y aura un soir normalement plus post-punk indie rock, on va dire, mais c'est plus varié. Là, moi, je voulais vraiment parce que ma culture musicale elle est aussi là, quoi. Moi, j'ai beaucoup écouté de groupes de la fin des années 70, début 80. Moi, ma culture musicale est vraiment du début des Inrockuptibles, donc à l'époque où ils suivaient les labels indépendants, début des années 80, etc. Donc, c'est vraiment ma culture, quoi. Donc, c'est vraiment une musique que j'écoute beaucoup et comme effectivement actuellement. L'influence de cette période-là est très nette, est très très nette. Ça avait un peu disparu dans les années 90, à l'époque du grunge et compagnie. On entend des moins de groupes qui se réfèrent aux années 80. Là, c'est vrai que depuis le début des années 2000, il y a un revival terrible, quoi, avec tous les et dans, notamment là chez les Anglais, là, toute cette vague de groupes incroyables. What is a bad? What does a bad? What makes a need? Yeah, drink the blue.
9 out of 10 would recommend. If they survived, that's just the same. So drink the bleed. So drink the bleed. So drink the bleed. Alors moi, ma ligne artistique, elle est donc comme je le disais, elle est vraiment liée à tout ce qui a tous les mouvements nés à la suite de la fin de la période du punk anglais, qui s'est vite tassé, finalement qui s'est vite arrêté fin 77. Et moi, je pense aux trois premiers albums de COC and the Banshees, de Magazine et de Peel, qui sont tous les trois sortis en 78. Et c'est un peu la date charnière, quoi, c'est 78, et après il y a eu plein de choses. Mais c'est vrai que ces trois disques-là, tout en étant en plus assez différents, donc en ayant un spectre assez large, sont assez emblématiques de cette période, la passation de... Et d'ailleurs, ces trois groupes-là ont été aussi étiquetés punk à un moment, notamment Siouxsie, même Magazine quand ils faisaient partie des Buzzcocks. Donc il y a eu vraiment, eux, ils ont vraiment parfaitement la transition entre les deux, quoi. Entre cette énergie, cet appel à l'insurrection, et puis un moment de se dire, on peut faire des morceaux qui sont autre chose que trois accords et juste à l'énergie, on va les travailler un peu plus. On a une culture musicale, donc on a des morceaux plus complexes, on peut aller dans des styles différents. J'ai l'impression qu'il y a quand même des groupes qui... Unschooling, typiquement, c'est un jeune groupe, quoi. Donc il faudrait, à la limite, presque leur poser la question de savoir comment ils ont fait pour se faire connaître. Je crois qu'il faut déjà... Le nerf de la guerre, c'est quand même de jouer, quoi. Donc il faut avoir... Actuellement, il faut peut-être mieux avoir un bon tourneur que sortir des disques. Parce que... Faut jouer, faut être vu. D'ailleurs, c'est à peu près le seul moment où on vend des disques, maintenant, quasiment. Enfin, des concerts, c'est compliqué, quoi. Donc après moi j'ai l'impression qu'il y a des groupes quand même qui sortent, après je sais pas, peut-être qu'il y a trop de groupes, je sais pas, là j'avoue que je sais pas trop, mais moi je vois quand même des jeunes groupes arriver, quoi, donc il y en a qui arrivent, alors après il faut leur demander. Typiquement Unschooling, ils ont un tourneur expérimenté par exemple, et donc ils leur trouvent des dates, c'est peut-être ça le... Puis après ça dépend dans quel réseau on veut émerger aussi, quoi. Dans les réseaux un peu DIY, etc., on peut jouer, je pense. Après, si on veut jouer là, comme dans une salle de 500 places, peut-être qu'il faut avoir une autre organisation professionnelle, sans doute. We'll be right back.
moi je sais que ceux qui s'en sortent, alors, il y a toujours cette histoire de tourneur. En fait, il y a des groupes qui tournent beaucoup, même avec des groupes un peu compliqués, ils tournent quand même pas mal. Donc là, je pense qu'ils arrivent à s'en sortir avec l'intermittence. Après, moi, la plupart des musiciens que je connais, ils sont multitâches, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont plein de projets, en fait. Ils ont souvent un projet spécialisé où effectivement c'est peut-être plus difficile de faire sans intermittent parce qu'ils font pas forcément 100 dates par an, j'en sais rien, mais souvent ils jouent dans d'autres groupes, quoi. Enfin, c'est souvent, pas toujours le cas, mais souvent c'est ça. Il y a plusieurs groupes dont voilà, et ils sont décachés dans plusieurs groupes, ouais, avec plusieurs contextes, mais ou alors ils jouent pour du théâtre, du cinéma, voilà. Mais c'est vrai que être intermittent avec un seul groupe, ça existe bien sûr, mais il faut jouer, quoi. Il faut jouer. De toute façon, les répètes sont pas payées en cachet, donc enfin, elles se sont plus. Elles l'ont été à une époque, mais elles le sont plus. Donc il faut tourner, faire des cachets, ou être technicien aussi. Il y en a beaucoup qui sont techniciens aussi. J'ai tendance à dire qu'effectivement, s'il faut jouer et qu'il y a ce maillage-là, c'est bien. Après, moi, ce que ça m'évoque, c'est que j'ai l'impression quand même que, je reparlais justement des groupes un peu compliqués à programmer, que les places pour ces groupes-là, quand même, ça me nuise, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce quand même d'homogénéité des programmations. Bah surtout dans les salles un peu grandes, quoi. C'est vrai qu'on c'est un peu souvent quand même les mêmes gens qu'on voit, et c'est vrai que dès qu'on est un peu hors du cadre, c'est plus compliqué pour jouer, j'ai l'impression. En tout cas, c'est plus difficile, j'ai l'impression de jouer dans de bonnes conditions, voilà. Et c'est pour donc alors des salles, il y en a plein d'ailleurs. Il n'y a pas que des salles Smack et compagnie dans toutes les villes de France, quasiment, j'exagère, mais on le voit ici dans le Nord, hein, la plupart des villes, elles ont des salles, mais il n'y a rien qui s'y programme. Je parlais dans les mairies, hein, pas dans les Smack, mais ouais, il y a beaucoup de salles. Après, effectivement, l'économie fait que c'est compliqué d'être encore audacieux tout le temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de salles de salles qui font des clubs maintenant, justement, pour pouvoir programmer des choses qu'ils peuvent plus faire dans la grande salle. Et pour revenir justement à la possibilité de faire jouer des groupes qui peut-être amènent moins de monde, mais qui complètent la programmation, qui amènent d'autres gens. Et qui rejoue aussi l'idée de faire découvrir des groupes qu'on voit pas beaucoup, quoi. Et souvent, de plus en plus, on voit ça au Grand Mix, qui ont maintenant un club, là, et qui est plus petit que la grande salle, évidemment. Et voilà, donc ça permet de compléter les programmations. Mais j'ai l'impression quand même que c'est quand même compliqué de continuer à être audacieux dans les programmations, dans des lieux institutionnels, quand même. Je pense que c'est pas une question de volonté, je pense que c'est une question de... Ben, le système fait que... Bah, il faut ramener des sous, quoi. On sait que dès qu'on programme des programmes un peu trop audacieux ou un peu différents, on risque de voir peu de gens. Et du coup, c'est pas très, économiquement, c'est pas forcément rentable, quoi.